Bonjour, bienvenue à la boutique Parence. Aujourd'hui, on va s'ouvrir la deuxième boîte de booster en japonais de Modern Horizon 2. Donc, on va essayer d'aller un peu plus vite que la première fois. Et là, c'est le grand. Il n'est pas du japonais, c'est du chinois. Oh, parce que c'est un rigolo. Je sais pas si ça existe en chinois. Je suis pas sûr. Je pense pas. Je crois. Ouais, bah si, ça doit exister parce que ça existe dans toutes les langues. Ouais, je pense. Tant que bah, c'est c'est pas du. Chaud. En chinois, ils ont l'air d'avoir raté un peu leur sortie en chinois. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il te faut encore? Parce que t'as déjà eu pas mal de choses. Je sais plus. Je crois qu'il y avait eu trois fêtes la dernière fois. Je crois, ouais. Ouais, t'as vu la que le dernier fait, je suis tombé au dernier booster, non? C'était ah, un prismatique. Ah, un prismatique, ah, c'était cool. Ah, il y a eu deux fêtes et une prismatique. Ouais, ouais, ça fait plaisir. Ah, c'est qu'en plus, il y a eu deux fêtes sur le screen en wallframe, du coup. En plus. Le début, on s'en moque un petit peu. Les incos. Même les londres, en vrai, sont cool, hein. C'est quoi ça? Le Power Richardan, le docker du Power Richardan. Tu l'engages, tu pioches des pièces, quoi. Non, ça fait Power Richardan. Ça engage un terrain. Tu engages un terrain? Du coup, c'est cool, c'est une bonne carte. On commence avec une petite connerie. Mythique. C'est l'incarnation, ça. Et non. C'est la petite. Ondin. Ondin, Merfolk, quoi. Et du coup, le dessin original, c'est avec Seb McKeon. Ouais. C'est pas l'original. Elle existe en Wolf. Oh, c'est une bonne carte. Souillure, je crois que c'est pas mal, ouais. Gavin Blast. C'est cool aussi, Galvanic Blast. Ouais. C'est sûr que c'est ça, ça coûte 3 Galvanic Blast. C'est Magmatic Blast. Ça, c'est un truc de pioche, c'est une carte de pioche. Attends, on va faire un peu de place. Extrudeur. Pareil, ça commence bien. Comme ce qu'elle dit, c'est pas le pire. Hein. Après, il est en Edge Shed. Ouais. Arrêtez en Foil, ça aurait été encore mieux. Charles bah ça, il y a moyen qu'on la voit beaucoup. Tu l'avais déjà eu en plus, je crois. Oui, il y en avait 3, je crois, en tout dans le. Ah oui, dans toutes les formes. Il est super beau le Scalding là. Ouais, ça ressort bien en plus en headshot du coup. Bah, l'avantage avec le headshot, c'est que t'as moins de chance que ça vende. Mais sur les squats, c'est vraiment bien. Sur les vieux dessins, je trouve que le headshot, ça ressort mieux que sur une classique. Pourquoi? Là où je suis un peu attristé, c'est que du coup, il n'y a même pas la pastille. Ouais. Ouais, bah tant mieux, on n'a pas la place. Donc, damné. Ouais. Damné, en anglais. Oh, t'as la petite étoile filante qui fait la facile. Ouais. C'est le. Ouais. Oh, l'écureuil. Ouais. Oh, ah. Le berger, il fait plaisir. Cette fois en japonais. C'est une bonne carte. Pour la petite collection. Non, même la carte est bonne. Puis il y a peut-être. Donc, ça, c'est le truc qui est pas. Pas terrible. Ça fait beaucoup de coups de main. Fetch foil. Deux boosters de fetch. Hein. Ça fait plaisir le fetch foil. Est-ce qu'on parle en plus, c'est dans tes couleurs. 5 fetch, une boîte à 5 fetch. Ouais, est-ce qu'on part sur une boîte, un booster, un fetch? Quand même pas. Bon, Déjà, si t'as 5 fetch dans ta boîte, t'as déjà fait une bonne boîte. Hein. Ouais. Oh, un fetch, je pense. Avidité. J'aime bien moi il est. Ça, bon. Petite effrite. C'est une carte marrante. Ça c'est bien. Ça c'est bien, ouais. C'est bien. Petit. Un toutou foil. Le bouquin de cuisine. Ouais. Ça c'est saucisse nerf. Ouais. Oh l'ancestral machin, c'est cool. Doty foil. Aussi, c'est sympa. Ouais. Pour l'instant ça va. Pour l'instant, t'as 3 bons boosters. Premier tiers fini. Premier cas, oui, premier cas pour un booster, c'est un A12. Elle est bien ouverte, celui-là. C'est parce qu'il est lourd. Ça, c'est cool, un petit inco sympa. Ok, donc split second, ça, je crois. Ouais, le Eddy split second. Ouais, c'est une autre carte. Ça, c'est bien. Ça fait plaisir aussi. Ça, c'est pas mauvais. Vraiment, ces frames-là, par contre, c'est triste. Une Mishra, c'est une carte iconique. Hein. Ouais, personnellement, quand j'ai vu ça, j'étais déçu. Bah, en vrai, je pense que je préfère avoir un Mishra plutôt qu'un truc avec l'autre frame, parce que moi j'aimerais vraiment pas l'autre frame. Une espèce de brouillon là. Un qui a vu. Quel autre prédateur. Ouais. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est le gros dino, c'est la mythique. C'est la première fois que je joue. En gros, c'est. Coûte 3 de moins pour chaque sort que tu lances dans le tour. C'est pas le truc de Storm ça? Ouais, c'est ça. Ça coûte 3 de moins pour chaque sort que tu lances dans le tour. Il y a du Trample. Ça a l'air bien nul. Hein. Ça a l'air marrant. Ça a l'air bien nul. Le gros truc, je me souvenais même pas. C'est ouais. Rarement bon. C'est la première fois que je la vois pour le coup. Ouais, moi aussi. C'est quand même rarement bon signe. Et c'est mythique. Bah, c'est rigolo, écoute. Après, c'est peut-être mythique parce qu'en limité, c'est beaucoup trop grand.
ça coûte 3 de moins par sortie longue. Du coup, c'est ça. Après, il faut avoir des sorts pas chers. Quoi. Ou des sorts qui génèrent du mana. Ou des cartes suspension qui se résolvent toutes le même tour. J'avoue que ça, là, ça marche bien. Ça. Je crois qu'il a scélératif. Ah, il y a encore le truc là. Il a piscine en plus, je crois. Ouais, je pense. Ouais, c'est marqué là. Oh, j'aime bien cette carte. Bonne carte ça. Ouais, faudrait le voir en folle aussi. Ah oui, ouais, ça va, t'es pas. Tu réclames pas, c'est cool. En folle, dieu dessin. Oh, ça aussi, c'est bien. Ah, c'est la mythique ambulance. Ouais. Ouais, tout l'équipement de Kaldras en une seule carte. Ça, c'est le blast qui est joué dans les mono-red. Un petit mitard. Oh, le penseur. On va dire que c'est pour rattraper la première, c'est ça? La première était moyen plus. Là, je pense qu'on est pas trop mal. Mais le pire, c'est qu'il l'a blessé, toi. Non, mais t'as toujours posé la boîte, ça y est. Y a plus besoin de voir le reste, en vrai. Il y a le playset comme ça en wallframe de la Scalding Tarn, mais quoi. C'est impressionnant. Ah, vraiment, vous deux, c'est un délire. Concentrer le shot. Je vais très très bien ouvert. Fusion. C'est du pur jus, il n'y a pas de problème. Ça, c'est cool. Silence, c'est bien aussi. Ah, maintenant, tu peux bien tourner les cartes, hein, c'est bon. Ça aussi, la boîte elle est cool, peu importe ce que tu vois. Je pense que c'est pas fini. Oh, elle est belle celle-là. Ça c'est pas mal aussi. C'est le sort de nouveau truc de Teferi là. Ça passe à tout et puis tu gagnes des marqueurs en fonction de trucs que t'as pas à ça aussi. Et après, ça va niching. Ah non, mais vraiment, cette frame là, ça c'est nul ça. Oh, c'est cool. Ah non, c'est Miss Cuisine là, c'est Miss Cuisine. Cadeau généreux. Cadeau généreux, effectivement. En vrai foil, donc ça c'est cool. J'aime bien, ça tient. Un chien, il y en a marre, on voit tout le temps ce chien. Oh, non, mais même cette frame-là, oh, bien. Oh, bah, on recommence un deuxième. Ouais, je t'avais dit que Jarbless, on allait l'avoir tout le temps. Ah, parce c'est le général. Général Cudro, je sais pas quoi. Bon, la moitié est mangée déjà. Oh, c'était quand même une très très bonne moitié. Hein. Même si la moitié d'après elle est pas ouf, t'as quand même une très bonne boîte. Ah, d'autres bricoles. La boîte est déjà largement rentabilisée. Allez, vas-y, on est plus à ça près. Donne tout ce que tu as. On a dit 5, minimum 5. Bah, t'en as déjà 4. Hein. Est-ce qu'il va battre le record des 5 fetch? Je pense que c'est pas impossible. Bon, ça c'est cool aussi. Ah, c'est la. C'est griffe. C'est griffe, c'est l'incarnation. C'est l'incarnation. Puis c'est pas la pire en plus, là, non. C'est la meilleure. Tu fais éphémérite, tu fais les deux l'adversaire. Ça aussi, oh, c'est cool. C'est cool, ouais. Manigance. Shinigan. La talisman, c'est sympa aussi. Oui. Sanctuaire protection noir rouge et puis ça vide les cimetières noir rouge. Cradle. Ouais, Cradle, elle vient rien. Ouais. Il faudrait l'avoir en all frame aussi, ce serait cool. Te jure, il réclame en plus. Mais non. Il réclame. Qu'est-ce qu'il faut penser? Par la pensée, je fabrique les cartes dans les booster. Ah ouais. Allez, hein. T'es sur une bonne journée de fabrication là, ça se passe bien. Hein. Bah après, un petit Planeswalker, ça ferait pas trop. Je crois qu'il te manque le Golgari. J'ai voulu le Grixis la dernière fois que t'avais poche. Ah oui. Exact, aussi. Bon, il est là, regardez. C'est cool, ça. Ça, c'est... Il a gagné plus un par type de terrain. Ah, et enchantement, artefact, tout ça. Artefact, enchantement, en jeu. Ouais, je trouvais ça fort, d'ailleurs. Ah, c'est cool. C'est une bonne carte. Deuxième. Ouais. C'est la torque. Ouais. Ça c'est pas mal. Encore une figure, cette fois un Hedged. Oh, First Sleeve en Hedged, c'est cool ça. Ouais, un Hedged. C'est une bonne carte. Puis elle est belle en plus. Ouais. Une honte. En vrai, il y a un skate booster. Une honte. Et c'est pas fini. Alors, avec trop Hedged quand même. Non, c'est des full, c'est du full foil ça. Ouais, je sais, ils m'en mettront au lot. Remboursement de la boîte, il y a un token tout plié. Oh, je vois. Oh, il est bien plié. Même. Ouais, moi, je préfère que ce soit le token que la carte qui était juste devant. Étonnamment. Ouais. Voilà, il a une belle ligne de plieur par contre. Hein. Et en plus, c'est que d'un côté, le poli, il n'y a pas la marque. Puis en plus, là, ça peut même pas être toi quand tu ouvres le booster, parce que les boosters japonais, ils se dépigent. En fait, je crois que c'est même. Ça a l'air d'être une sorte de misprint shoe, parce que de l'autre côté, il n'y a pas la marque. Enfin, ouais. Ouais. Bien.
Un petit 1000K. Allez, un sixième fetch. Un squelette de je sais pas quoi. C'est pas du tout des forceurs en plus, non. Ni l'un ni l'autre. Ouais. C'est une blague. C'est une blague. Allez, le sixième. Et le 6. Allez, vas-y. On est plus à ça près. On comptera le nombre de boosters et le nombre de fetch, hein. Juste pour rigoler. Bah, un booster, booster sur... parce que les un booster sur deux, là. Les statistiques, elles rigolent moins. Voilà, on a 6 sur 9, même. Hein. J'avoue que 6 sur 9, pour l'instant, les stats, elles sont horribles. Hein. Vraiment. Par rapport aux autres. Ça, c'est cool. C'est sympa. Ouais. Et encore un, là. Deuxième dans le booster. Non. C'est légendaire. Ouais. Ça coûte 1. Ah, c'est le modular. Le petit insecte brosse. La petite la abeille, c'est ouais. Ça. Bravo. Ça va, c'est pas mal. Ah, légendaire, artefact pour 1. De toute façon, je crois qu'il y en a 15. Donc, pour l'instant, à 66% des boosters, rien de fait. Oui. Ouais, après, bon, je pense que ça va quand même se linéariser avec la suite. Ça, c'est cool. Ouais. Parce que bon, on peut pas forcer le destin. C'est bien dit, ça. Et en plus, il me semble que sur la boîte, c'est marqué qu'il y a un fetch vieux dessin alternatif foil dans 4% des boosters. Il y en a déjà eu 3. 4%? Ouais, il y en a déjà eu 3. Non, 2, parce que l'autre, il est en hatchet. Enfin, je sais pas ouais, ce qu'ils appellent juste... foil, mais du coup... Petite agame. Mais c'est un bon 4%, hein. C'est un 4% qui fait plaisir. Un wonder, donc ça, et... c'était une inco avant. Attention. Allez. Magie ou pas magie? Oh, force de négation. Tu crois? Ouais. Force de négation ou c'est machina? Non, c'est ça coûte 3 force de négation. Alors, si c'est force de négation, je suis content. Oui, bah tu m'étonnes. Il va aller courir devant l'église. Attends, elle est pour moi, c'est la force de négation. Pour moi, c'est sûr. Quasiment force de négation. Ah, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça? C'est machina. Bah tu vas être content du coup. Ah, là, ouais, j'avoue, les belles. En plus, il l'a demandé. Hein. Oui, c'est vrai. Et il a vraiment un style particulier, hein, faut aimer. Ouais. Bon, c'est pas tombé. Force de négation, et puis l'autre a 3 manas bleues, mais il faut aussi, ouais. Et je sais de. L'autre 3 manas bleues, c'est plus en ça ? Non, de la, une réédition, là. Le truc toujours 3 bleus, ça fait plein de trucs, là. Ah, charme de l'archimage. Ouais. Ah, celle que j'ai ouvert en 3 fois, je crois. Voilà, avant-dernier booster. Harvester Moon. Ça c'est cool, c'est Jean Legacy, ça aussi, le Mangemox, Cradle, encore un petit Cradle, non foil. Il y a pas mal de terrain, mine de rien. Ouais, j'ai demandé une box spéciale terrain. C'est la première fois que je la vois aussi, c'est là. C'est une rare en plus. C'est cool ça. Oh, Macro Sony. Ou macrozomie, j'en sais rien. Je crois que c'est macrozomie. Ouais. Ah, ça, c'était pas grave si on l'avait pas. Ouais. Non, c'est pas. Ça va être le. Ouais, c'est ça, persiste. Quelle déception! Bon. C'est quoi ces boosters nuls? Le premier booster vraiment claqué au sol, et encore parce qu'il y a le Cradle dedans. Et là, le dernier est tout pourri aussi. Ouais, mais à un moment, faut que le karma revienne. Hein. C'est bon, hein. Après, moi, j'appelle ta femme et tout. Alors. Déjà, ça a pas l'air d'être un mort. Ça a pas l'air mort, mais j'ai vu un truc. Du coup, c'est. Pour 5. En vert. 5 légendaires verts. C'est pas l'incarnation. Non, ça sera pas une création. Ça doit être une création. Ah, l'incarnation, là, ça coûte 3 mana. C'est légendaire. Ah, si, c'est peut-être une 5-3. Qui fait des élémentaux 5-3. C'est pas Titania, je te dis, c'était pas en gros, mais c'est comme ça. Ah, puis ça coûte. De toute façon, ça, c'est 5 ça... et il y a ah, pas. Ah, c'est 2 verts et 3 incolores. C'est ça. Moi, je sais pas ce que c'est ça. Non, je vois pas non plus. C'est... Ah, ou c'est peut-être l'écureuil. Ah, non, c'est le vieux slime. C'est le truc qui crée 2 tokens. Ça crée 2 tokens quand il meurt. Il bouffe tout. Aivar, ça s'appelle ça. Non, c'est pas celui que je crois, Aivar. Encore un persiste. Ah vraiment, j'aime pas du tout ces frames. Ça c'est joli. La vitrine du flange. Avidité encore. T'as eu pas mal d'avidité, mine de rien.
Aucune idée. Ah, ça serait bien le pioche pour les enchantements. Ah, Ouais. enchanteresse, ouais. Et Enchanteresse, la la bleue dernière d'Emeraude. carte. Est-ce que tu nous vois encore du rêve? Est-ce que tu triches? Non. C'est légendaire. Ça coûte 1? Non. Ça, c'est le Oh, dragon de Tempol. oh, C'est la boule noire de Momo oh, Motus. Ouais, enfin, en même temps, là, la boule oh. noire, ça fait longtemps qu'elle est gagnée ta partie. Hein. Donc, vas-y, 50% du coup. Ouais, Donc 50% à toi. une boîte complètement, totalement nulle. Ouais, vraiment, vraiment pas terrible la boîte. Hein. Il manque 6 fetch, il manque 6 fetch. Il manque 6 fetch pour faire une boîte ouf. T'as vraiment eu un des bons lands du set, quasiment à tous les boosters. Je crois qu'il y a deux boosters où il manque un land, je crois. Parce que t'as eu Cradle sur les autres boosters. C'est cool, ça c'est Un skiver, c'est cool, ça c'est incroyable. cool. Charge vraiment si bien que ça? C'est une bonne carte, mais Ça? bon. Ouais. Bah oui, je pense que c'est une bonne carte. Ouais. Là, il n'y a rien, là, c'est des un coup. Là, il y a du bricole. Passage à Richard. Une Chandless. Shardless, une Ça lande, va, ça Grish, ça c'est ça. cool. La bête, ça c'est cool, ça c'est cool. Ça va, en vrai. La boîte c'est quand même n'importe quoi. Hein. Faut dire les choses. En vrai, il n'y Landor, a rien. on s'en fout. Par contre, Landor, c'est un peu Noël. Là-dedans, il y a des bricoles. Il y a ça, Des bonnes bricoles, il y a hein. ça, il y a ça. Ça, Par c'est contre, pas par un mal, ça truc, tu as aussi. eu 3 fetches différentes, je crois, c'est tout. Sur les 5. En fait, tous les fetches sont en double. Tous les fetches sont en double. Ouais, c'est marrant, ça. Et même Cradle, du coup, est en double. Et où le cradle là? Là-bas. C'est vachement marrant. Ouais. Ouais. Donc 8, c'est-à-dire que tu as eu 4 boosters. 4 boosters sans terrain. Ben, ça, c'est un terrain aussi. Après, il y a le terrain Qui au représente hasard, aussi. ouais, le Ouais. Mishra. Ouais. Donc 4, ouais, 2, allez, on va dire 2, mais je pense qu'il y a eu un booster où il y a eu 2 landes quand même. Oh, c'est cool. On est assez content, ça C'est peut déjà. aller. Oh, ça va, c'était pas trop mauvais. Ça va. On se plaint pas trop. Indécent. Indécent. Ultra instinct. Je te jure. Juste les deux scaldings, déjà, ils payent ta boîte. En plus, c'est du japonais, donc ça vaut peut-être même plus qu'une boîte Oui, ils sont plus Insigne. chers. Bon ben voilà, c'était juste correct, à peine bien. Bon bah, voilà quoi. Hein, j'ai fait de mon mieux. Bah, si vous voulez voir Non, des boosters, revenez demain. c'est cool, ouais. C'est Alors, on peut magnifique. voir des boosters, on prend sur la boîte, on prend 15 euros de frais par contre. Je prends 3 boosters. Bon. Carrément 3 boosters, toi. Je prends 3 boosters, Tu prends les 3 derniers? triés à l'avance. Les Par 3 le client, derniers, les 3 pourris. le client me donne 3 boosters avant le début de Ah mais l'ouverture. si on les donne à toi, tu vas avoir 3, tu pouvais tout Ah, c'est éclater. ça, Ah, c'est pas cool, je m'en fous. C'est moi qui ouvre la boîte ou pas. Si c'est moi qui choisis, je vais effectivement prendre les trucs éclatés. C'est pour ça que c'est le client qui choisit. C'est filtré. Non, bon, ouais, ça va, c'était bien chouette. Il y a des belles cartes. Vraiment, c'est vraiment juste celle-là qui t'intéresse alors que t'as vraiment des trucs de fou à côté. Ouais, c'est maquineux, non? Mais oui, mais. Attends, j'ai pas été chercher l'autre un coup là. Ouais, non, mais je me Mais doute, déjà hein. la semaine dernière, quand on a ouvert la première boîte, il était plus intéressé par une Unko que par Mais oui, les. il disait, ouais, j'ai eu mon Unko, c'est de Mike Ouais, Keenan. Oui, mais t'as eu 5 fetch à ça faudrait que je regarde à quoi ce que ça fait exactement. Par la demi-mesure. Pour moi, Bah oui, après. déjà, ça réduit 2-3 par Oui, leur sorte que ça t'as lancée dans le c'est tour. remarqué, Pour moi, ouais. ça piétinement c'est vérifié. Piétinement. Ok. Il a l'air d'avoir 3 pouvoirs en tout cas. Le premier c'est Je vais Trample, te c'est dire sûr. ça. Je vais te dire ça, je vais te dire ça. Le premier c'est Trample. Pour moi, elle avait peut-être porté. Ça me choquerait pas qu'elle ait porté, vu la taille qu'il a l'air de faire, le machin. J'ai juste trié par un coup, je vais arrêter. Il est là. Alors, Trample Célérité et il écrase par-dessus le Planeswalker. Et il a Hexproof le tour où il arrive. Ok. 7-7 Trample Célérité. Trample sur le Planeswalker. 3 de moins pour chaque autre sort. Caste ce tour, pas forcément par toi.
Ouais, bah, c'est bien avec la suspension. Ouais, ou alors contre les gens qui veulent contrer. En fait, tu lances un petit sort à 1, tu prends ton contre, il coûte déjà 6 de moins. Ouais. Tu fais le Sol Ring suspension, ça te fait 3 mana de moins, ça, le Sol Ring tu fais 2 mana aussi. Ouais, mais du coup, tu le poses le tour où le Sol Ring il arrive. Ouais. Oui. Okay. Quand la suspension se résout. Attends. Ça veut dire que tour 1, tu fais forêt, Sol Ring, en suspate pour 0. Ouais, 2 tours plus tard. Tu peux suspate un truc pour 1 vert pour, qui suspate 2 aussi. Non, il suspate 3 le Sol Ring, je crois. 2. Deux. Donc, un autre truc qui suspate 2. Je pense qu'un suspate 2 pour un vert, ça doit être trouvable. Ah non, c'est suspension 3. Ouais, il me semblait bien que c'était 3. De toute façon, toutes les copies entre guillemets de trucs trop fumés d'avant, ils ont suspate 3. Donc tu fais ça tour 1. Tour 1, tour 4, tu te prends une 7-7 trempe par-dessus avec une seule cœur. Brah ! Quel exprouf en plus. Ouais. En vert, c'est pas comme si tu pouvais faire plein de mana rapidement. C'est une version de c'est pas comme si du coup il va te coûter que 2 verts et que sur un malentendu tu peux placer un cratère ouf avec quoi. C'est jamais qu'il avait vraiment pas assez d'attaque alors du coup bon. Et en plus, c'est vraiment bien la version alternative et en feuille en plus. Ouais. En vrai, je dis ça, mais il y a sûrement beaucoup plus simple que ça. Hein. Il tape déjà à 7, les trucs qui doublent l'attaque et les machins comme ça existe. Hein. Ouais. Du coup, bah, je sais pas s'il sera joué, mais bon, c'est rigolo quoi. Non, c'est une belle carte. Je pense qu'en commander, il y a un monde où c'est joué. S'il y a des bons gros decks verts, typiquement dans Dino, ce sera joué, c'est sûr. Pour les joueurs de multi. Pour tous ceux qui vont jouer Selvala ou les bêtises comme ça en mono vert, ce sera sûrement joué aussi. Parce que ça coûte pas cher et puis que ça fait facilement des grosses têtes. Après, en compétitif, je le vois mal joué. Ouais, on verra ça. Bon, plein de rangements à faire dans la collection encore. Ouais, vraiment. Encore de l'argent fait par les fenêtres. Ouais. Bon, allez, on vous laisse tranquille. Petite vidéo de 20 minutes. Allez, bougez bien. Bougez.